pourquoi notre intérêt pour Ladies of FinTech? Déjà, la FinTech, c'est un secteur très actif, très dynamique, et la France joue un rôle important sur la place internationale. Donc, des places, des opportunités à prendre pour les femmes. Et on se rend compte tous les jours, quand on rencontre ces FinTech, que les équipes sont souvent très masculines. Je pense qu'il y aurait un intérêt à plus de mixité, plus de partage. La mixité homme-femme dans l'entreprise est une richesse. Elle permet de confronter des points de vue, quels que soient nos métiers, dans l'intérêt global de la finance pour la France. La Banque Postale, banque et citoyenne, est une entreprise jeune, elle a 10 ans, engagée dans la société. Et la Banque Postale s'attache à accompagner les femmes, que ce soit au niveau du recrutement, que ce soit pour la formation, dans leur progression de carrière ou bien évidemment dans l'égalité des rémunérations. Donc un sujet qui nous intéresse au quotidien. Ce prix Ladies of FinTech est une très belle initiative. Déjà, il m'a permis, moi personnellement, de découvrir 12 profils de femmes qui comptent pour la finance en France aujourd'hui, qui ont une vision moderne de la finance, du rôle qu'elles jouent dans la société. Elles sont engagées, elles veulent apporter un renouveau, et ça, c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup, en l'occurrence, pour la Banque Postale. Donc, nous sommes fiers d'être aux côtés du pôle Finance Innovation pour soutenir cette très belle initiative. Je souhaite bonne chance à toutes nos candidates.